Payen, le directeur du pôle insertion par l'activité économique de l'association Le Coin Familial. Association qui a effectivement plusieurs activités dans l'hébergement, le logement, la parentalité, mais dans le cadre du mois de l'ESS, on posera un peu plus sur l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, à travers nos 5 ateliers chantiers d'insertion, notre association permet aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales, professionnelles particulières de bénéficier d'un contrat de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle permet de mettre en œuvre certaines modalités spécifiques au niveau de l'accueil du public, au niveau de l'accompagnement des salariés en parcours. Nous avons plusieurs supports d'activité, puisque en fait, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, la personne qui intègre l'atelier chantier d'insertion a la possibilité de se positionner sur différents types d'activités support. L'association, nous sommes 2 conseillères d'insertion professionnelle. Nous accompagnons les salariés qui sont donc chez nous en CDDI, donc un contrat à durée déterminée d'insertion. On les accompagne donc à lever les freins, hein, les freins périphériques qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça peut être des freins à la mobilité, ça peut être des freins santé, des freins aussi parfois sur la langue française. À nous deux, on a 100 de salariés. C'est Bicelé et Mimi. Là, ça fait 1 an que je suis, 1 an et 2 mois, je suis au coin familial. Donc ça nous a donné un peu donc le courage d'aller, donc de faire autre chose après ici. Donc on aura, donc je sais que non, je suis capable, quand je quitte ici, je vais aller même former mon entreprise ailleurs.